que ce soir c'est pour un vol de Paris-Orly vers Coulommiers en passant par Melun. Allez, c'est parti, on lance le chrono, plein pot. Un cap 250, a priori, c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais c'est pas grave. A l'air d'être bon, je me demande si c'est pas l'autoroute que je vois apparaître par ici. Voilà, alors ça, ok, on a l'autoroute, très bien. Donc là c'est Viry-Châtillon à gauche, très bien. Donc là j'enquille sur l'autoroute du sud. De reconnaître quelque chose. Voie de chemin de fer, un grand échangeur.
trop à gauche, mon gars, pas trop à gauche. Donc là, on est en approche d'Evry. 3000 pieds, il va peut-être se calmer la joie un peu là. 109. Qu'est-ce que c'est que ça? Seul que je verrais dans les parages, ça serait Brétigny, mais c'est pas indiqué là-dessus. Enfin bon, on s'en fout, c'est pas ça qui compte. Ça, c'est la forêt de Melun. Pardon, le Sénart. On a toujours la Seine. Ce qui m'intéresse après, c'est l'autoroute qui va taper à gauche, plein est, et je la vois apparaître. Ensuite, ça va faire un zigzag, d'accord, là, ça tourne très bien. Donc là, je vais pouvoir entamer mon virage à gauche, mais en restant au sud de cette autoroute. Ça, c'est la 5 qui a dit piquer. Ce qui m'intéresse de voir, c'est masqué, évidemment. La Roche. C'est là où je veux aller justement, mais pas tout à fait. Donc ce qu'on voit au fond, en principe, c'est Fontainebleau. Cap 150, allez hop, à gauche. Corbeil-Essonne est à droite, centre droit. On voit très bien la Seine qui vire. Là-bas, c'est Fontainebleau. Perte de puissance. Great pressure.
Eh ben mon cochon, c'est ce qui s'appelle faire un atterrissage ric-rac. Bon, eh ben avec cet avion on rigole pas. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bon, voilà en rase campagne. Le moteur refuse de démarrer. Problème de pression d'huile, d'après ce que je vois. Et on va en rester là, vu l'heure qu'il est. Donc, avec cet engin, il faut faire attention à la maintenance, apparemment. C'est ce que j'avais cru voir aussi. En tout cas, respecter les procédures de démarrage ou des choses dans ce genre-là. Ce qui fait que je ne sais pas si demain je vais pouvoir voler avec. Enfin bon, voilà, c'est la vie, c'est la vraie vie. Ce qui est important, c'est que j'ai réussi à me poser sans faire de casse. Et alors là, on est dans les parages de Savigny-le-Temple, en principe. Donc c'était bien Brétigny. Et là, c'est bien Villaroche, donc voilà, on est entre les deux. Par ici, il n'y a plus qu'à trouver une carte qui soit valable et on saura. Donc c'est là où on peut admirer la précision des cartes qui sont faites ici, puisque ça et ça, c'est ce qu'on voit là et là. Et quand j'ai atterri, effectivement, il y avait cette route là qui partait comme ça. Et on voit les maisons, donc c'est Nandy. Donc échoué près de Nandy. Donc si on remonte en arrière, je suis parti, j'ai fait ça, tac 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 tac, et je suis venu m'échouer ici en une petite dizaine de minutes. Il y avait une sorte de bruit qui se passait dans l'avion tout à l'heure, je ne savais pas ce que c'était, c'est peut-être ça les prémices. Au revoir.